objectif là dans tête moi là pour l'instant. Mais c'est facile après me capable retourner m'en dire ça. Est-ce que vous comptez de voir c'est tout. D'accord, deuxième question. Oui, c'est Nietzsche Fortuné, journaliste de Radio-Télévision Métropole. Absolument, Fortuné. Oui, oui. Métropole. Oui, nous connaissons pendant le dernier temps ça, avec Espace Passé Radio généralement, qui est dysfonctionnel, ça qui est casé. Donc, là, nous faisons arrestation ça. Qui côté nous gagne, qui est disponible pour nous mettre ça. Mm-hmm. Une dernière question. Pierre Daniel Lamartine, votre BFFO. Votre BFFO. Oui, monsieur Lujan, bon nuance dans la question. Oui, bon nuance dans la question journaliste qui a arrêté. Nous ne savons pas, est-ce que c'est dans l'hôtel là où t'es ou bien où t'es dans le marché? Deuxième bagaille, nous connaissons que, vu avec la question état d'urgence, la police est décrétée, ou bien le gouvernement a décrété pendant le dernier temps, donc nous ouais puissance nèg armé yo vinn pi plus. Est-ce que bon mécanisme bon mise en place cap est fait pour capable mettre monsieur ça hors d'état de nuire parce que la population haïtienne souffre un peu. Merci beaucoup. Merci. Et pour me répondre ça non, est-ce que n'a et mandé Kenya yo pour y aller Saint-Marc, c'est ça? D'accord. Donc bravo que Kenya yo vini pour supporter force locale yo. Et vous là pour accompagner vous, quel que soit côté présentation, mamie. Quel que soit côté présentation, nécessité, y a là. Depuis force de l'ordre local, vous là, vous même tout, y a là. Parce que la principale mission, c'est accompagner force de l'ordre. Est-ce que l'espace disponible, selon Fortuné, selon question Fortuné, pour mettre les gens qui n'ont pas aidé? Je vais répondre Fortuné pour me dire la police. Jobli, c'est arrêter. Arrêter autant que possible parce que la population a besoin qui étudie, la population a besoin de vaquer à l'activité et il faut arriver à faire dans les meilleures conditions de sécurité. En ce qui a trait à l'autre aspect de la question de sécurité, ça, il y a l'autre monde qui est plus bien placé dans l'État qui est capable de répondre à la question ça jusqu'à ce que si on joue, on a dit nous pas arrêter encore, nous ne pouvons pas arrêter encore. Votre BF Info, l'homme qui a intervenu tout à l'heure, m'a été bien précisé pour nous donner le même espace périmètre Kafourita qui n'est pas forcément dans l'hôtel là. L'opération a été continue. Et c'est là que le journaliste qui a été venu à l'arrestation. Merci beaucoup, la presse. Moi, bon rendez-vous pour une autre heure encore. Merci beaucoup. Oui. 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 O
Est-ce que tu as un amour là? Dans la quatre conférences après-midi, 16 août 2024, un cadre état d'urgence qui est décrété sur quelques zones dans deux départements de l'IA, la palais de l'Ouest avec la Tibonite. Sous l'ordre commandant en chef là, M. Normil Rameau, je viens présenter nous bilan, opération et intervention diverses unités spécialisées dans la police là, étant même pendant la semaine ça, sorti lundi 12 pour arriver vendredi 16 d'août 2024. Jour qui était jeudi 15 l'an, après un filati que la police démenait, nous menons une opération dans la zone Kafourita, dans un hôtel qui porte le nom Envahi. Dans le moment de l'opération, 5 individus qui étaient armés lourdement arrivaient mortellement blessés après échange coup de balle avec la police. 3 dans les armes ont saisi, parmi eux, 2 manches longues. Parmi 5 individus qui vivaient stoppé ça yo dans échange coup de balle avec la police, gagnait un certain Casales Blanco qui était gagné si noni gros fanfan. Lui c'est propriétaire hôtel ça Envahi. Casales Blanco c'est un évadé prison qui était écroué sous une pénitentiaire nationale sous nom ça. Gros fanfan tout c'est membre association criminels qui veulent vivre ensemble. Travailler, c'est porter munitions à armes dans tout foyer gang. Dans le moment d'opération, la police a arrêté 13 individus parmi eux, 3 policiers. Malheureusement, dans le cadre d'opération, nous avons un policier qui est légèrement blessé et qui pour l'instant prend soin de l'hôpital que cal nécessite.